Mais qu'est-ce que je vais bien faire de tout ça ? A dû se demander au commencement des temps l'univers tout entier. Savait-il ce qu'il était lui-même ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'au fur et à mesure que l'Homo sapiens a commencé à se poser des questions, il est allé à la recherche d'un sens à tout ça. Et c'était pas facile. Et donc, se pencher sur son passé, c'est aussi peut-être se pencher sur son avenir. Regarder en arrière par un effet de miroir cosmique, ne serait-ce pas regarder en avant. Et donc anticiper. Et donc une réflexion sur ces chercheurs du sens, je dirais plutôt de la direction de l'énergie cosmique, est peut-être une bonne idée. Dans ce festival des mondes anticipés, on va pousser un peu plus loin le bouchon en demandant à quelques artistes ce qui se passe, en essayant de partir avec eux dans leur quête, dans leur enquête qui les a amenés à trouver des pistes peut-être, en tout cas des expressions qui nous ont intéressés. Ce n'est pas tant la qualité de l'œuvre, au demeurant remarquable, des gens que nous avons convoqués pour ce festival, que le sens que l'on peut donner à leurs travaux. Anticiper, c'est regarder en avant, ce n'est pas juger. Anticiper avec les artistes, ce n'est pas juger leur travail. C'est d'essayer de voir comment eux, chacun de leur côté, ceux que nous allons donc découvrir, nous aident à penser le monde dans sa continuité, dans l'anticipation et dans la réflexion sur notre trajectoire.